Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le let's play de Castlevania Lords of Shadow. Donc, comment dire, on est aujourd'hui le 8 mars, j'espère que vous allez bien. Pourquoi ça va pas? Ah oui, c'est tout start, pardon. Je me suis remis de mes émotions d'hier. Franchement, hier, c'était... je sais pas si vous pouvez... Comment je pourrais vous faire comprendre? C'était super, super. J'étais vanné, quoi. Je vous assure, j'étais vanné, quoi. J'ai passé plus d'une heure sur le boss. C'est un truc de dingue. J'espère que le montage vous aura plu. Encore une fois, je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo. J'espère que je pourrai vous la programmer, que vous l'ayez quand même dans le temps pendant que je ne serai pas là. En tout cas, aujourd'hui, on va s'attaquer à Forteresse de la Montagne, Jumpté, parce que évidemment, il va y avoir notre petit narrateur qui va nous expliquer la suite de notre aventure. C'est parti. The deed is done. Cornell is no more. Such a pity that the Brotherhood of Light, the order to which we both belong, should also be the reason why the world is in such chaos. Gabriel, you have proven your worth, my friend. You have a piece of the God Mask. It is said this relic can bring back the dead. It is said this relic can bestow power beyond any man's reckoning. Now, with the help of the old god, he heads toward the land of the vampires and further into the heart of darkness. Waouh! Le texte est court, mais franchement, honnêtement, ça le fait, quoi. Ça le fait. J'aime beaucoup ce Lords of Shadow, honnêtement. Je vais pas trop vous en dire. Allez, touche start, c'est parti. Where are we? What is this place? The Crow's Pass. The land of the vampires lies beyond those hills. A powerful witch protects this domain. I can go no further. Who are you? And why do you help me? You may think I am helping you, but you would be wrong. I serve no one. You would do well to remember that. Eh ben, un truc qui m'a impressionné, un truc à la con, j'ai envie de dire, c'était les yeux de l'aigle qui faisaient comme un vrai, quoi. Ça m'a impressionné, je vous assure. Je mets un petit peu de son dans mon casque, attendez 2 minutes. Parce que là, j'ai pas du tout de son. Ah, vous entendez la cascade? Écoutez, je me tais. Excellent. Et plus on se rapproche, plus la cascade est forte. Vraiment, vraiment bien. Y aurait pas un secret par là? Non? Non. Bon. Allez, c'est parti. Encore une fois, on est en galère de vie, hein. J'ai envie de vous dire. On change pas une équipe qui gagne. Ah, les plans sont très cinématiques. C'est très... très cinéma, j'ai envie de dire. Mais c'est bien foutu. C'est bien foutu, honnêtement. J'ai un regret pour le moment, c'est pas d'y avoir joué avant, en fait. Je vous assure, c'est un peu incroyable. Alors, attendez. Oh. Alors oui, j'ai vu dans les autres vidéos que... j'étais au montage, j'ai vu que j'étais passé à côté de certains parchemins, donc faudra que je refasse le jeu pour tout avoir. Alors, parchemin chevalier de la confrérie. Le mal règne ici. Un mal incestueux. Non, insidieux, pardon. Un mal insidieux qui consume le courage des hommes. On dirait qu'il est un ogre d'api dans le château. Je trouve incroyable que des contes pour enfants se révèlent être vrais. Je me souviens de mon père en lisant des histoires avec ces créatures quand j'étais enfant. Si j'ai bonne mémoire, elles sont lourdes et lentes lorsqu'elles attaquent. J'ai besoin de quelque chose qui me permette de courir plus vite et de bouger plus rapidement, si je veux avoir une chance contre ce monstre géant. Bon, je m'excuse, j'ai essayé de vous mettre le ton et tout, hein, mais... ça m'éclate de faire ça, en fait. Activer la magie de l'ombre, puis maintenir la touche L2 une fois chargée, incliner le joystick gauche... L2, ouais, bah, d'accord, ok.
Alors, hop, on fait ça. Joystick gauche pour charger contre là. D'accord, hop, hop, hop. Oh, 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 oh. Je me suis un peu consumé, je vais aller reprendre un peu de la vie. C'est pas très loin, donc autant le faire. Parce que je sens qu'il va y avoir des petits ennemis. Et, ah non, c'est peut-être plus loin. C'est où? Ah, c'est là, c'est bon. Je sens qu'il va y avoir des ennemis. J'ai pas envie de, d'être en galère de magie. De magie, quoi, tout simplement. Ah là 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 là. Je m'éclate vraiment sur ce jeu. Je m'amuse. Bon, il y a des défauts, hein, voilà. Je vous les énumérerai lors de la vie et conclusion. Que j'essaierai de faire sans spoil. Hein. Ah tiens, il y a un machin, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh! D'accord, ok. Donc ça c'est... J'ai pas vu que... D'accord, bon, petit élément destructible, c'est pas énorme. Mais au moins, ils ont fait un petit effort, j'ai envie de dire. C'est pas formidable non plus, mais c'est mieux que rien. Qu'est-ce que c'est ça? Oula, 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 oula. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Bon, c'est par là qu'il faut passer. C'est sûr. Sûr et certain que c'est par là qu'il faut passer. Et comment je fais, là? Ah ouais, d'accord. Hop. Sympa, les oiseaux, là. Franchement, c'est sympa. Oh là là, eh, franchement, là, là. Ah, vous voyez, là, il y a deux ennemis. Vous voyez, à gauche. Ah, ça sert quand même d'activer les... les comment, les barres ennemies. Oh, puis c'est des petites merdes. Allez, merci messieurs, dames. Y'a plus personne. Bon, j'ai l'impression d'avoir pris du grade un peu. Hop, une petite fée. Appuyez deux fois sur du gauche pour piquer un sprint. Oh là, mais eh oh! Bah c'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas fonctionné. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ah d'accord, j'étais pas... Merde. Ok. Ah vous voyez, je commence à penser à prendre ma magie, tout ça, pour dire de ne pas perdre trop de vie, n'importe comment quoi en fait. Enfin, un peu débilement quoi, des fois c'est con, on perd... Merde, c'est quand je peux pas transporter plus de fées. Hop. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Des fois, on perd de la vie un petit peu bêtement. C'est vrai, mais ça, c'est la faute du joueur. Hein. C'est pas la faute du jeu. Oh, putain, il me fait peur, le... Les oiseaux m'ont fait peur. On perd de la vie un petit peu inutilement, mais à la fois... Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, d'accord. Faut peut-être faire un sprint, là. Voilà. Pas mal, le coup du sprint. Hop, qu'est-ce que c'est? Encore un parchemin, je suis sûr. Bon, c'est sûr, on va le lire. Parchemin chevalier de la confrérie. Comme nous le craignions, la forteresse a été envahie par les forces du mal. Une terrible créature ressemblant à un oiseau a fait... de la tour son nid, et un monstre énorme rôde autour des murs du vieux château et la protège. Je n'ai pas de nouvelles des autres chevaliers. Ah, il manque un espace. Cela laisse présager du pire, et je vais essayer de retourner à la confrérie pour les informer que cette épreuve se dresse contre nous. Il y a des petites erreurs, vous avez vu, hein, il manque des espaces des fois. C'est des petites erreurs, c'est pas trop pardonnable, hein, parce que ça, c'est quand même Konami derrière, hein, donc... Konami, c'est pas la PME du coin, hein, donc... enfin, entre nous, quoi, je veux dire, vous voyez, c'est pas un petit développeur, c'est pas comme un indépendant, par exemple, où ces petites erreurs-là, on pourrait les pardonner beaucoup plus facilement. Là, franchement, honnêtement, un peu limite pour une boîte comme Konami, de faire ça. Après, c'est... Voilà, c'est une petite critique, mais... Et voilà, vous...
Ça, c'est... Voilà, faut faire... C'est des choses qu'il faut faire attention un petit peu. Surtout venant de Konami, quoi. Alors... Bon, là, on escalade, hein, toujours. Ça, c'est pas mal. Oh, merde. Bon, il se rattrape automatiquement. Par contre, je voudrais bien que... Voilà, merci. Il se rattrape... C'est ça. Oh là 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 là, c'est qui lui? Il a l'air d'être vénère lui. Qu'est-ce qu'on peut faire hein? Oula 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 oula, j'ai pas vu ça. Ouais, ça c'est le genre de truc. c'est le genre de truc que vous êtes obligé de mourir une fois quoi. C'est pas possible autrement quoi. Vous avez vu ça? Ça c'est pas vraiment possible de pouvoir. Enfin, si tu le sais pas, tu te fais niquer quoi. Ouais, c'est reparti. Faut que je prenne, je pense à prendre de la vie par contre. Pas comment faire là. Ah ouais d'accord, ok. Hé hé hé. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Pff, fallait attendre, je suis trop pressé hein, c'est trop pressé hein. Ça vous voyez, c'est de la précipitation, ça c'est rien d'autre. Et oh, c'est quoi le délire? Alors, j'ai récupéré ma vie, hein, quand même, hein, que je sois full vie. Ce serait pas plus mal. À mon petit. Eh non! Ah oh, putain, faut... Ah ouais, non, faut speeder, quoi. Oh là 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 là. Ouais, faut speeder. Moi, j'attends comme un... En fait, je pouvais... Je pensais qu'on pouvait attendre. Et seulement... Non, il faut pas attendre du tout, là. Ah non, là, il faut... Ouais, je suis full vie, c'est pas mal. Bon, il va niquer ça. Il va niquer ça. Oh. Yo, yo. Oula, merde, il m'a chopé! Foiré!
D'accord. Bon. Pas mal, hein, pas mal ce petit moment. Oh non! Sympa, sympa! Ah, je m'y attendais pas, putain, j'y attendais pas, c'est un truc de dingue! Il faut se dépêcher en fait. Oh! Ah, cinématique, je notais. Wow. Ça fait mal par contre. Oula, merde, j'ai pas vu ça. Toujours être prêt de faire un QTE, ça c'est un truc de dingue. Je vais crever l'œil. Oh, il m'a fait mal, bien mal, hein. On se dépêche, on essaie de prendre de. QTE. Ouais, il va viser, je sais pas trop où là, mais il va viser. Hein. Ouh. Putain, je crois que j'allais y passer. Il faut attendre. Lui arracher une dent, quoi. Là. Oh, je crois qu'il est clamsé là, non? Épique encore. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, ça a de la gueule. Hein. Oh, ça a de la gueule. Hein. Alors, on va prendre de la magie. Bah, pour un coup, je serais pas crevé. Je vais niquer tous les.
Le boss sans trop de soucis. Voilà. Par contre, là, il me faut de la vie, hein. Ça serait bien. J'ai bien aimé ce passage. Honnêtement, j'ai bien aimé ce passage. Le coup d'abord, le boss qui nous... Enfin, le mid-boss, je pense que c'est un mid-boss. Qui nous a un petit peu embêté sur le comment. Sur le côté. Et après... et je pense pas utiliser mon cristal, c'est vrai, je suis con. Et après... Et après se battre contre lui. Donc c'est vraiment pas mal. Oula, qu'est-ce que... Je suis quoi, je suis mort là? Oulolololo. Et ça, si c'est pas du cul, ça. C'est un parchemin. Attendez, on va lire le parchemin quand même. Les mugissements d'une créature terrible hantent ce lieu. Même les trolls sont effrayés. Et même pour vous dire, hein, même les trolls de la chaîne, ils sont effrayés. Je me souviens d'histoires quand j'étais enfant à propos d'une sorcière vivant. D'une sorcière vivant ici. C'est pas vivante? Non. Ah non, c'est vivant, c'est bien ça. Une sorcière vivant ici. D'où Jésus, gardez-nous du mal. J'ai peur que la confrérie soit détruite et que le monde disparaisse dans les ténèbres. Qu'adviendrait-il de nous? Eh oui, je vous pose la question. Bon, on continue. on va... Hop, hop. Et je peux pas remonter, là? Ah si. Putain, ouais, quand même. Merci. Oula, mais... Ça m'est d'être un petit labyrinthe, là, l'histoire, là, non? Où c'est qu'on est, là? Ah, d'accord, ok. Là, il y a un truc, on peut pas y aller... Tac, 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 tac. Je vais changer, je vais prendre mes lames, là. Bon, là, il y a un mécanisme. Je suppose que on va devoir... On va se bastonner contre des ennemis. Et là, il y en a un qui va avoir le mécanisme sur lequel je vais pouvoir... ouais. Ah ouais, d'accord, ok. C'est sur le côté. Y a rien, là. Non, y a rien. Bah alors. D'accord. Ah bah je vous l'avais dit qu'il y aurait eu des... C'est de me refaire un petit peu la cerise. Alors je sais hein, ce qu'il faut faire. Hein. J'essaie juste de me refaire un petit peu la cerise, comme on dit. Bon, il me balance les trucs, là. Je voudrais bien qu'il... À toi, tu m'as fait chier, le bâtard. Pas l'air con là du coup. Ok, c'est ça. Ouh, oh non, non, c'est de ma faute, là. J'ai fait nimp. Ah, j'ai fait nimp. Là, c'est... Ah, vous pouvez me traiter, là. Bon, je m'en fous, j'aurai pas les commentaires. Je serai pas là. J'ai fait nimp. Voilà. Faut dire les choses comme elles le sont. Yeah.
pense qu'il y a deux façons là. Il doit avoir la façon. La façon avec les comment, les grenades et la façon en battant ce bonhomme là. Allez, on va prendre possession de lui. Ils sont où là? Et n'empêche, sans déconner. Je les explose là, les petites merdes. Là. Oui, je sais qu'il faut aller là-bas. Voilà. Ah d'accord, il me demande pas mon avis. Il le dégomme direct. Oh non, putain, deuxième. Quoique, s'ils viennent pas, je crois que ça craint. À mon avis. Oh, je vais me taire. Je vous laisse profiter de la sentinelle. Ah, voilà. À mon avis, s'ils sont pas venus, c'est que ça craint un peu. Est-ce qu'ils sont revenus? Ils sont partis. Ah, ils sont partis. Un peu dommage, ça. Bon, c'est un petit détail, encore une fois. Hein. Rien de bien méchant, ni de bien grave. Petit détail, mais... Bon, j'aurais apprécié de pouvoir retrouver... les petits ennemis qui étaient là. Mais enfin, peut-être qu'ils ont pris peur, aussi. Et qu'ils se sont barrés. Peut-être une explication. Voilà, bon... Allez, on continue notre petit bonhomme de chemin. On n'a pas perdu trop de vie. Enfin, on en a même gagné, plutôt, même. Parce que j'étais à pratiquement à zéro. Donc voilà. Excellent, lui. Alors, les Chupacabras. Les Chupacabras sont souvent dépeints comme des monstres maléfiques assoiffés de sang, alors qu'en réalité, ils sont obsédés par les reliques magiques, et chaque fois qu'ils sont en présence d'un tel artefact, ils sont prêts à tout pour s'en emparer.
Les chupacabras, ou chupacabras, je sais pas comment on dit, ne sont toutefois pas des créatures foncièrement maléfiques, et la plupart du temps, après un bref jeu de cache-cache, ils rendent tout ce qu'ils ont volé. En vrai, c'est cool. J'espère que... Récupérez-les. Mais il est où, le chupacabra? Cabra caca. D'accord, bon, j'ai qu'un truc c'est pour aller par là. Mais il est où? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. C'est dans le coin, hein? Il est là? Il est où, le... Bah ouais, mais il est où? Eh oui, j'ai compris que je peux pas progresser, mais il est où, le... Le petit bonhomme, là? Attendez, j'ai pas compris. Il est où, mon petit bonhomme? C'est lui? Ah non, c'est pas ça. Ah, il est là! Putain, je l'avais pas vu! Foiré. Il est où? Bon, ça va être un jeu comme ça, là. Il est où, là? Bon, bah là, on joue à cache-cache. Un jeu dans le jeu! Hein? J'ai envie de vous dire. Il est passé où, le bonhomme? Ça me fait marrer, moi, ces conneries-là. Franchement. J'aime bien, moi, ces petites conneries-là. Mais il est où? Je reviens là. Mais il n'est pas là. Mais il est où? Il n'est pas là. Bon. Peut-être faut que je le chope, je sais pas trop. Ouais, il faut que je le chope, c'est vrai, merde. Quel con. Ça touche. R2. Mais il ronfle là, je sais pas trop. Mais il est où? Putain. Ah, j'ai pas vu qu'on pouvait. D'accord, ok, bouillant, donc ça doit être dans le coin. Allez! Qu'est-ce que tu fais là? Ok. Over here, monkey boy. Mais il est où? Par ici, macaque. Moi je veux bien, mais. Ah d'accord, superbe. Superbe. Oh putain, la vie que j'ai perdue d'un coup là. Mais où qu'il est? In front of you. Can you see me? In front of you. Can you see me? Bon. J'ai envie de vous dire oui. Mais pas que. On est d'accord, mais t'es où, bordel de merde? Ça y est. Bon. C'était un peu chaud. Enfin, chaud. Non, mais je vais. Il fallait le trouver, le petit bonhomme. Là. Peut-être aller là. Voilà. On va pouvoir continuer l'aventure, du coup. Ah ben, moi, je vais faire le plein, du coup. Hop, hop, hop. Ils sont marrants, ces petits bonhommes. Ils sont marrants, mais ils sont un petit peu chiants. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont scriptés à un endroit. Et ils bougent pas trop, donc ça va. Ça reste encore trouvable derrière. On va continuer. Par contre, j'ai perdu de la vie connement, encore une fois. C'est vrai que dans le jeu, on part très très vite de la vie. Et
et de façon des fois un peu débile. Ah, je m'étais. Ouais, comme je vous disais, on perd de la vie des fois, des façons un peu débiles. Là, vous avez vu toute la vie que j'ai perdue, rien que juste parce que je sautais dans le trou. C'est un peu fort de cas. Fais. Tu peux peut-être détruire cette... Ah bah oui, d'accord, ça veut tout dire. Ah oui, non mais attends, je sais ce qu'il faut faire. Faut faire ça, faut faire ça. Et voilà. Et on a fini le niveau. C'est magnifique, c'est parfait, 36 minutes. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une... Ah bah non, je suis con. On n'a pas été voir les compétences. Attendez, allez à la page des compétences. Coût avancé. On va voir ce qu'on peut monter. En termes de coût, j'avais dit que je prendrais l'attaque acrobatique. Et je vais prendre ça. On va acheter. Et voilà, superbe. Après un saut périlleux par-dessus les ennemis, appuyez sur... Ah, j'ai un truc bagarreur. Appuyez immédiatement sur carré. Trois fois pour prendre, les prendre à revers et les attaquer avant qu'ils ne puissent réagir. Pas mal. Je trouve cette ce truc pas mal. On va faire poursuivre la quête, les amis. Donc, là... On a fait forteresse de la montagne. Et donc, on va... je pense que ce sera le dernier niveau. Donc là, ça va être la sorcière corbeau. Je pense que ça va être le boss. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Hein, même si je suis pas pour le moment sur la chaîne. Mais n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dès que je peux, je réagirai et je vous répondrai. Ne le prenez pas mal si je peux pas réagir tout de suite. Mais bon, vous avez vu ma vidéo explication mars-avril 2014. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous dis... à demain ou peut-être après-demain en fonction de comment je vais pouvoir uploader tout ça et on se retrouvera pour la sorcière corbeau qui est je pense le boss de ce niveau 4. Allez, salut, bye bye.